Situation s'il préoccupe un grand sénateur ou faible. Ma konn si nous konn ça. En pile monde dit un sénateur son gros chef. OK. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. C'est le Sénat qui a le pouvoir. Si le Sénat les dirige et que le Sénat prend décision pour prendre en groupe et que les sénateurs sont conscients, m'a mettre tout journaliste là en défi pour nous dire si nous vinn là de lundi à vendredi, est-ce qu'on va prendre nous compte Dieu puis là de lundi à vendredi? Le premier secrétaire du Sénat de la République. Du lundi à vendredi, vous êtes qui ça? C'est parce que dans conscience pas moins qu'on est. Si on décision sérieuse qu'a prend le sénateur Chérubin Diop doit être là. Et problème ou a passé yo et dans pays, à quoi bon ça sont ti minimes là-dedans yo? C'est pas un sénateur qui a réagi mais c'est le Sénat qui doit prendre des résolutions. Le gouvernement, regardez qui ça fait pour que on connaît rapidement qui ça a fait là-dedans et décision un grand sénateur pas bien important. C'est ça que je me dis où? Un sénateur qui a pu faire basso. Yon autonome bureau qui a gagné plus pouvoir qu'un sénateur. Ça veut dire qui ça? Le sénateur en particulier, si vous gagnez pouvoir, c'est dans compromis, dans amitié avec un ministre, avec le président, avec le gouvernement. Mais c'est le Sénat qui doit réagir en force. Ça veut dire, si vous venez dans le bureau comme sénateur, ok, ou pas vous recevoir, ou faire octon, mettez moi sur ton côté, pas recevoir. Je ne vais pas casser, pas tirer, je ne vais pas faire. C'est ça que je fais pour réagir contre tout. Si son contrôle n'a pas le fait, je vais rentrer dans le bureau qui est le Sénat de la République. Je vais écrire, le président me dit, fais ministre à Vini. Et le ministre à Vini, il faut que je n'ai encore l'autre sénateur. Pour que tout ça qu'a fait là, pendant que je me dis, ou pas de faire le bien, ou l'autre sénateur pas tout ça, te fait bien. Et là, ça, ce n'est pas une force. La force, je précise pour vous. Les moins concernés par ce qui a passé, Kwabo Sal, Gravine, Cité de Dieu, tout côté, c'est le Sénat. Gardez pour vous, depuis qu'il est nous une séance, l'on voulait nous réfléchir, nous même en tant que journalistes, je viens avec le président du Sénat, demandez qui ça doit le faire, qui décision nous devons prendre ensemble pour que les sénateurs viennent au Sénat. Peuple, vous comprenez, nous ne pouvons pas faire travail, nous? Ah, pas, je fais travail, pas. Non. Ah, pas, Sénat, là, je fais travail, mais en tant que le Sénat de la République, peuple, là, oui, nous devons faire, peuple, là, comprendre que. Sénat manque de travail. Ah nous sommes dans la commission là. Nous sommes avant de venir là, nous sommes dans la commission, pas vrai? Dans la chambre de députés. Dans la chambre de députés, ok? Mais nous sommes pour le Sénat. Nous sommes dans la commission qui travaille. La commission qui travaille. Je ne dis pas dire que pas de travail qui a fait. Mais les grands dossiers de l'État doivent être adressés par le Sénat en tant que corps. Et si Sénat, on prend par exemple, là on prend le gouvernement. Autant de haut du haut, il y a tel gros réunion, tel côté, telle réunion faite. Parce qu'il y a un gros bagage devant, il y a discuté. Et mais le Sénat n'a pas perdu, ni le président Sénat, ni le président Chambre des députés, le Parlement. Il n'a pas qu'à perdre une décision au gouvernement, à président, non. C'est pour y arrêter entre eux-mêmes. Ok? Il a concocté, il a décidé qui ça nous-mêmes n'a pris ça et qui ça n'a conseillé, qui ça qu'on a fait. C'est ça que fait moins dit et me préciser encore. J'aurais aimé voir un Sénat qui travaille plus que ça. Pendant deux sessions ordinaires, ça y aura aussi te suivre à la lettre tout fonctionnement parlement. Nous suivre séance qui fait en séance plénière qui fait dans le Sénat dans la Chambre des députés. Nous suivre séance qui fait dans la commission parlementaire, yo, commission permanente. Yo. Et nous suivre et conférence des présidents. Nous garder tout fonctionnement parlement pour nous capables côté bilan sauté. Premier constat nous fait, c'est que normalement, chaque chambre a dû gagner 12 séances plénières chaque mois, à raison de 3 séances par semaine. Nous trouvons que globalement, le Sénat, pour l'année, a eu 32 séances. On a dit sur un total de 80, normalement, que le Sénat gagne en moyenne. Et la Chambre des députés en a eu 34. Donc, performance de chambre en termes de fonctionnement, en termes de séance, pour prendre des décisions importantes, l'y révéler assez maigre. En août et en septembre, nous signalons par exemple pour le Sénat, il y a seulement une séance par mois. Et c'était la même situation pour la Chambre des députés en juin et en septembre. Une seule séance. L'ENGA des fonctionnements, conférence des présidents, qui sont un organe extrêmement important de chaque chambre, qui réunit les présidents des différentes commissions permanentes et le bureau de la chambre pour définir l'agenda du jour
de séance et prendre de grandes décisions. Li te gagné seulement 10 rencontres au niveau de la Chambre des députés et 6 rencontres au niveau du Sénat. Donc 10 conférences des présidents pour l'année au niveau de la Chambre des députés et 6 au Sénat selon données que nous recueillons. Pour ça concerner commission permanente, au niveau du Sénat, il y a 17 commissions permanentes. Nous remarquons que 17 commissions ça ont gagné au total 45 rencontres de travail pendant l'année législative. Non. Pour ce qui concerne la Chambre des députés qui gagne plus commissions permanentes, soit 20 commissions permanentes qui constituent à la Chambre des députés, eh bien c'est seulement 8 dans la commission ça qui ont gagné au moins une séance de travail pendant l'année. Et si excepté deux commissions, seulement commission éducation avec commission si nous acceptons deux commissions seulement que nous parlons citer commission Saïwa que nous t'ai relevé qui t'ai gagné beaucoup plus que yon séance de travail, nous t'ai gagné commission qui t'ai gagné 5 séances, la commission économie et finances et puis commission éducation qui t'ai gagné 2 séances. À part ça, 8 6 autres commissions ont gagné. Comment population, peuple haïtien, l'y apprécier travail qui fait par Parlement pendant l'année ça? Nous avons fait une enquête et mes résultats enquête là. Premièrement, si nous regardons les relations entre les parlementaires et leurs électeurs ou bien leurs mandants, la population. Eh bien, en termes de relations, nous sommes capables de dire que les relations sont très maigres. En effet, c'est à peine 65% de monde qui participait dans l'enquête là qui dit nous, enfin 65% de monde qui participait dans l'enquête là dit nous que yo pas connaît adresse bureau député. Ça veut dire que si on a besoin de député, yo pas même connaît côté pour y aller rencontrer lui. Et pour ce qui concerne le Sénat, situation encore plus grave, nous gagnons 80% de monde que nous interrogeons qui dit nous que yo pas connaît bureau sénateur là. Donc ça veut dire que relation yo très maigre et très faible. Et nous capable dire que nous t'ai fait plus de 3000 coups de téléphone, c'est à travers le téléphone que nous faisons enquête ça et nous t'ai gagné plus de 900 monde qui acceptait répondre à question et échantillon ça il est assez représentatif de la population haïtienne. Donc en termes de relations maigres. Mais l'autre bagage que nous constatons que les citoyens de leur côté n'ont pas bien informés sous travail que sénateurs avec députés a fait. En effet, enquêteur yo demande yo est-ce que yo capable citer quelques lois que parlementaire yo voté pendant année. Eh bien, nous capable dit que 90% de moun que nous interrogé yo pas été capable citer yon seule loi que parlementaire, que ce soit sénateur ou député, de voter. Donc nous voyons que la communication n'est pas passée véritablement entre les parlementaires et la population. Maintenant, si nous regardons le niveau de satisfaction de la population par rapport à travail sénateur et député, eh bien, nous sommes capables de dire que 31% de monde que nous interrogeons yo dit que le Parlement fait un travail très médiocre. Nous gagnons 12% qui dit que le travail là est médiocre. Et 29% seulement estimé que le travail là est acceptable. Nous avons un certain pourcentage qui n'est pas prononcé. Eh bien, yon bagay qui est intéressant que l'enquête l'a révélé.
il révélait que appréciation que population fait de travail là li très maigre son appréciation qui montrait que pas vraiment apprécié ça au faire mais li du tout a un manque d'information parce que ça enquêteur au fait il dit bon mais loi qui votée par parlement le yo by liste loi ça yo tout de suite ça rappelait enquêté yo c'est-à-dire moun que enquêté yo et bien ça rappelait yo quelle loi que yo t'étendait effectivement qui t'est votée et à ce moment-là yo reposer aux questions est-ce que nous satisfaits de travail parlementaire. Eh bien, ça nous remarquait, après que Fin prend connaissance de liste de loi SAO, opinion a changé un petit peu. Et là, nous gagnons un meilleur résultat. Nous gagnons 36% qui estimaient, n'est-ce pas, que travail là est acceptable, alors qu'avant, c'était 29%. Qui était pensé que le travail est acceptable. Donc nous avons gain de près de 7 points. Et nous gagnons 24 qui dit que li très médiocre, alors qu'avant, nous avons gagné 31% qui était dit très médiocre. Donc, problème de estimation, appréciation du travail parlementaire, li dépend tout de niveau d'information de population. Plus informé, plus yo apprécié. Au niveau de l'OCIDE, nous avons échange dans la réunion nous avons hier au sujet de événement qui passait au Cap, côté que yon ancien sénateur li monté drapeau noir et rouge, yon drapeau qui pas le drapeau consacré par la Constitution de 87, eh bien, nous estimons que c'était un geste malheureux. Un geste malheureux parce que c'est une violation que liée de la Constitution. Il y a un monde capable de gagner préférence pour tel ou tel type de drapeau, n'est-ce pas? Pour tel ou tel symbole, pour ça, noir et rouge a représenté comme symbole, pour ça, bleu et rouge a représenté comme symbole, mais particulièrement de la part de yon sénateur, de la part de yon monde qui yon homme d'État, nous estimons que s'il gagne yon préférence, gagne peut-être des moyens, des modalités pour ta faire valoir yon tel choix, mais nous pas quoi que l'État doit agir comme ça parce que nous estimons que c'est une violation de la Constitution et son manque de respect pour la Constitution et aussi pour les 90% et plus de monde qui ont voté Constitution ça par référendum. Parce que pas oublier que Constitution 87 là, eh bien, a fait l'objet d'un référendum, côté que, n'est-ce pas, plus de 90% de la population te baille, disons-le, pour dire accepter Constitution ça. Donc, il faut respecter le vote du peuple, sauf l'échange, il y a des procédures pour ça, il y a une procédure d'amendement de la Constitution, sauf l'introduit ça, ou introduit-le, mais on n'est pas capable de faire comme ça, de façon non capable de cavalier. Il vaut du système sécurité PIA, gagner CSPN, c'est lui-même qui couvre ça, sous direction Premier ministre. Là. Certainement, quand l'autre jour, tant qu'il y a des jours spéciaux, je ne dis pas dans son jour spécial que lié, tant qu'il y a des jours spéciaux, PNH là, certainement, avec les différentes unités spéciales, il y a gagné pour mettre en place un plan de sécurité pour permettre que, eh bien, citoyens, pas nécessairement officiels, en attendant. En attendant, là, on prend un monde qui, dans vendredi, il monte, on va dire, relax, il y a
vider semaine là parce qu'il travaille toute semaine là et puis vendredi il monte dans route nord là aller dans une plage qui sur route nord là et puis moun ça son moun qui soit c'est un monde qui a fait un touriste local que lié ou soit son monde qui gagne en famille nos amis qui saute l'autre bord et puis qui vit dans le pays et puis l'aller dans une plage ça qui sur route nord là donc c'est pas une question de officiel seulement c'est une question de sécuriser route pour que citoyens et citoyennes dans le pays capable vaquer à occupation donc imaginez que moun ça qui bien aller à et puis pour le tourner le bloqué pour le tourner pour le rentrer dans Port-au-Prince soit le prendre avion dans lundi matin soit là pour tourner dans le travail dans lundi matin et puis le bloquer ou dis moi qui image que ou voyez bail que c'est moun qui en dans pays a qui eux même et bien pour une raison quelconque yo en dans pays y a travail y a vivre dans pays mais yo pas fait rue de politique ça arrivait que citoyen pas fait rue de politique c'est tout à fait normal pour que si ou manifester que moi même si me balle en politique faut me ca passer si me balle acheter sac pour m'acheter moi pas capable en aucun cas me faire acheter une machine et puis moi pas ca passer pendant qu'on manifester dans tous les pays du monde ça n'existe pas nous weli et c'est ça qui doit toucher nous comme citoyens haïtiens là yo montré sous différents réseaux yo voisins yo à côté a qui gagne 1 million moun 1.2 million moun qui sorti hein qui a manifesté et puis pendant a manifesté à côté a ou est bus qui eh bien c'est son antenne touristique qui a mené moun yo pour y aller visiter des sites touristiques et puis bus la passé manifestation a passé mais est-ce que nous pour qu'on arrive là qui raison fait pour qu'on arrive là qui conscience qui pour animer nous pour nous arriver là eh bien c'est ça oui qui vertir la tour faut commencer à réfléchir pour nous dire que eh bien type de pays que ancêtre TV ballon c'est pas de saleté donc nous croyons que les instances concernées a bien pu mettre en place différents plans de sécurité pour que citoyens et citoyennes vont vaquer à occupation correctement jour 18 là mais tout il faut que les gens qui décident eh bien qui c'est que c'est droit d'ailleurs son droit constitutionnel qui décide de manifester sous béton 18 novembre non, que yon fait dans l'ordre et la discipline pour permettre que l'autre citoyen qui parle la donne yon capable de tout vaquer à l'occupation joue ça. Mais aujourd'hui, on est clair, ma brédile encore, il faut que les institutions jouent leur rôle. Ou d'accord, le drapeau d'un pays, c'est le symbole suprême, ou là avec moi, de pays. C'est lui qui dit que c'est pays. Hein? Maintenant, nos institutions, les hommes et les femmes de ce pays qui eh bien mandaté pour être capable de jouer le rôle de San Carelli, gestion de sécurité en dedans pays a gestion de symbole pays a eh bien c'est à eux même maintenant que nous capable dire que rôle de job là li rivé Haïti j'en nous dit là aujourd'hui a gain deux forces j'en constitution dit là dans pays d'Haïti gain la police gain l'armée gain pays d'Haïti la police qui c'est j'en saut dit tout à l'heure eh bien le bras armé nous capable dire de la justice la justice veut agir li veut fait que la loi li appliquer sur un citoyen c'est avec la police que la justice agit. Eh bien, je ne dis pas là, si gagner des paroles que on moun dit, parce que moi-même, je ne vais pas même mettre dans le cadre de un leader politique, pour qui ça? Écoutez, un leader politique en dans société, son exemple. Un leader politique en dans société, son limier que lié. Un monde qui limier, son monde qui respecte l'ordre républicain établi. Pourquoi? Nous réunis ensemble, nous dit tête nous comme ça que n'a pas tête nous au moment loi créer les constitutions. Et mais comment que nous pral marcher selon les lois? Si toutefois journée jodi a gon monde qui pas d'accord que constitution c'est ça lié, c'est pas compliqué, on réunit majorité encore avant pour capable permettre que selon les mêmes règles de cette constitution pour changer qui ça le dit en attendant nous. Ce même monsieur hein, ce sénateur, il a été magistrat sous qui drapeau bleu rouge. Il était sénateur sous qui drapeau bleu rouge. Bon, il était dans le parlement et puis il pas engrangé processus pour le changer drapeau alors que constitution dit qui j'en pour le faire. Vous êtes d'accord avec moi que je dis là les instances concernées eh bien doivent jouer leur rôle pour sécuriser les différents symboles de la nation. C'est clair parce que je dis là nous pas capable permettre que eh bien des mouns sous le coup des actes provocatoires, OK, pour capable mettre eh bien stabilité pays.
pays a en jeu. Et je ne dis pas là, gagner encore on l'autre en jeu encore qu'il a, c'est l'image que nous transmettre à l'international. L'image de l'international, c'est que nous, avec type de action ça a, nous ne pas capable de permettre que l'international ou nous, quand on a d'où son nation paria. Donc, il va falloir que eh bien, chaque monde, dans ce qui concerne yo, joue au rôle yo, pour capable eh bien, permettre que 18 novembre n'a passé, tant qu'on joue, j'aime ce dilan, on joue de réflexion, on joue symbolique, côté que tout le monde qui a posé tête yo question pour nous demander tête nous, est-ce que 18 novembre 1803, les ancêtres yo, tap goumé, tant qu'on dans l'heure sa bataille a été commencé, hein, on bataille qui commence depuis 5h du matin, est-ce que dans l'heure sa, elle pral fini à 3-4h, est-ce que c'est ça qui est dans tête yo, puis yo te quitté pour nous 200 ans après, est-ce que c'est ça l'été? Donc, je ne dis là, encore une fois, il va falloir que chaque monde prenne responsabilité. Yo, puisque le respect de ce symbole qui est le drapeau, l'idoué, on va dire, l'idoué une obligation pour chaque haïtien. Nous sommes participés à une rencontre avec des étudiants de l'Université d'État d'Haïti, provenant de différentes facultés de l'Université d'État d'Haïti. Et rencontre ça a été faite dans le cadre dialogue et systématique, continu, fructueux, prometteur, et que le président Pajam Suspan annoncé, et que le Premier ministre Lanto Pajam Suspan annoncé, fait promotion tant pour le président dans la campagne que dans l'axe de priorité que tu as défini et comme président, une fois parvenu, une fois accédé à la fonction de président, et Premier ministre en pareil, une fois parvenu aux affaires, au timon, eh bien, et dialogue ça, l'idée, enfin, responsable, tant le président que le Premier ministre, tu as parlé de dialogue avec les différents secteurs de la vie nationale. Eh bien, au niveau ministère planification, nous avons entamé dialogue ça aujourd'hui à là avec des étudiants, comme tu dis, de l'UEH, provenant de différentes facultés. Et dialogue ça, c'était pour nous, un dialogue franc, pour nous arriver tant d'étudiants. Démarche qui consistait à dialoguer avec les étudiants, conformément à et aspiration, conformément à la vision président de la République, là, il y a programme Premier ministre là. Et nous avons dit tout que à l'issue de réunion, nous avons arrivé à joindre. Et une certaine entente avec étudiants qui n'a pas rappelé, c'est un groupe représentatif de et plusieurs centaines d'universitaires, d'étudiants, enfin on va dire étudiants de l'UEH, qui au même temps ont des griefs, l'homme dit plusieurs centaines, des 300, 400, 500, bon, il parlait de 600, qui au même temps ont des griefs. Et par rapport à tout ça, en fonction, en raison de et mauvais la vie. Nous dérivés et parler avec eux, nous avons fait des promesses d'accompagnement déjà pour ça qu'a fait mémoire, accompagnement, dégager en subvention pour étudiants, naturellement avec certaines conditionnalités. Donc on fait mémoire, combien de temps ça prend pour faire mémoire, est-ce que ça prend 3 mois, est-ce que ça prend 6 mois, est-ce que ça prend 9 mois, et bien son temps pendant lequel et MPCE et conjointement avec l'autre ministère qui est impliqué, on a rappelé que c'est justice qui est représentée par le secrétaire d'État sécurité publique là, on a rappelé tout ce intérieur et malheureusement on a constaté absence ministre intérieur là et ministre Brunet, et on a rappelé tous ces ministres délégués et à la citoyenneté et à la jeunesse. Donc c'est action conjointe et ministère ça yo et qui pral permettre justement de nous passer de la parole aux actes, qui pral permettre une mise en œuvre de et promesses nous fait étudiants là. Promesses qui allaient, tant comme nous avons dit tout à l'heure, de l'accompagnement pour faire mémoire ou bien sauter commencer faire pour finir. Et en passant par stage, intégration au stage, permettre étudiants faire stage li, un stage payé et non une structure l'État. Par exemple, au niveau du MPCE, et nous disposer pour nous prendre quelques étudiants en stage. Et nous pas qu'à prendre en pile, moyen non limité, malheureusement, mais il y a un effort qui a fait pour nous prendre quelques étudiants, environ une dizaine ou un peu moins, ou environ une douzaine, soit un peu plus de la dizaine. Et passant du stage, nous prévoit tout et me souhaiter que d'autres ministères
faire et qui retrouvent la démarche, et au même tout, ils ont capable dégager des espaces de stage, d'admission en stage payés pour et certains étudiants. Donc si par ministère nous arrivons à recruter entre 7 à 10 étudiants en stage, et pour 4 ou 5 ministères, ça a déjà fait 35 à 40 étudiants et ce qu'ils font stage payé, c'est déjà pas mal. Et de même pour les mémoires, si nous arrivons à un accompagnement par ministère entre un accompagnement d'un nombre allant de 5 à 10 étudiants, ça a déjà fait, pour 4 ou 5 ministères, ça a déjà fait entre 25 et 50 étudiants. Et on a continué. Si pour les contrats, nous arrivons et par ministère recruter 10 étudiants, pour 4 ou 5 ministères, ça a déjà fait 50 étudiants recrutés contractuels. Et si pour les bourses d'études, donc on connaît ni, le ministère là, il est doté d'une direction de la coopération externe qui lui-même est réceptacle, qui lui-même recevoir bourse d'études et des partenaires internationaux de pays, tant que Taïwan, tant que de pays latino-américains, tant que Mexique, et de pays européens, dans le cadre de coopération nord-sud, et de pays asiatiques, tant que l'Inde, on dit déjà, Taïwan, etc. Donc nous recevoir des bourses, bien que gestion boursière, et ce n'est pas nous-mêmes seulement qui faisons, nous faisons gestion boursière, suivant qu'il s'agisse de bourses de la santé, nous faisons avec la santé publique, de l'éducation, nous faisons avec le ministère de l'éducation nationale, etc. Mais là encore, c'est une action conjointe pour nous, et dans le cadre d'attribution bourse pour nous favoriser étudiants UES. Et par exemple, si nous arrivons entre des bourses, nous connaissons tout, enfin bourse premier cycle est plutôt rare. Pays est plus enclin à bailler des bourses de deuxième, de troisième cycle. Mais si nous arrivons bail un certain nombre de bourses et ça va le faire objet d'études et question ça va le faire objet d'études comment pour nous arriver parce que nous connaissons tout bourse là attribution gestion bourse là même des certaines particularités dans la mesure où et pays donateurs eux-mêmes ils connaissent entendre que c'est eux-mêmes qui passent test et d'admission hein, pour arriver à attribuer bourse là octroyer bourse là donc là encore étudiants connaissent c'est nous-mêmes n'a ballon accompagnement jusqu'à porter bail pays donateur. Et si pays, si vous satisfait à critères, donc vous connaissez vous-même, il a participé dans le programme Bourse. Donc c'est autant de promesses qui résultaient de rencontres non gagnées avec étudiants UEH aujourd'hui, qui étaient au nombre de moins d'une vingtaine, mais qui étaient suffisamment représentatifs de et plusieurs centaines d'étudiants que vous dites qui ont des gros, il y a un compte système. Non. Donc, pour arriver à sauver à matérialiser de telles promesses, noter et d'une part, en ce qui nous concerne, et décider de former et un comité de suivi, un comité de suivi qui a bien représentant et ministère qui est impliqué dans des massacres, à savoir intérieur, justice et enfin, représentant ministre délégué à tout, donc primature, et évidemment ministère planification. Nous demander étudiants pour faire de même, c'est-à-dire pour former un comité assez représentatif et des étudiants qu'ils représentent. Et c'est pour un comité de suivi et de mise en œuvre de toute promesse à nous faire là-haut, en gens pour nous arriver et non temps et normal pour nous arriver satisfaire, enfin matérialiser toute promesse à aucun faire. Reconstruction des quartiers, c'est un programme de l'Union européenne avec un certain nombre de partenaires qui a l'objectif principal était la reconstruction de certains quartiers de la ville de Port-au-Prince à la suite du tremblement de terre de janvier 2010. Il y a eu une intervention sur une dizaine de quartiers à Port-au-Prince avec soit construction, nouvelle construction, soit reconstruction d'environ 1000 logements, avec
177 000 personnes bénéficiaires finales. Il y a eu aussi, il comportait aussi des programmes de formation des boss maçons dans les normes de construction antisismique. Il y a eu aussi, c'était un programme qui s'est aussi basé sur la participation des communautés, sur la planification urbaine. Et voilà, et aujourd'hui on arrive à la clôture de ce programme que nous croyons qu'il y a eu un succès important. C'est un programme qui se clôture aujourd'hui, mais qui va avoir une suite sous la forme d'un nouveau programme, que c'est le programme Urbaïti, qui a été lancé, dont la convention de financement entre l'Union européenne et l'État haïtien a été signée il y a 2 mois. Et ce nouveau programme a une portée un peu plus large, parce qu'il va viser surtout la planification, la gouvernance urbaine, et il va porter pas seulement sur la ville de Port-au-Prince, mais aussi sur les villes de Jérémy et de Lécaille. Est-ce que vous êtes satisfait des travaux déjà réalisés concernant la reconstruction de l'aménagement des quartiers? Oui, bon, il y a la mission d'évaluation du programme, elle démarre aujourd'hui aussi, l'évaluation finale. Ça va nous donner plus d'éléments sur les résultats réels et l'impact que le programme a eu. Mais en attente de du rapport de cette mission d'évaluation, le premier sentiment que nous avons et la première constatation que nous avons quand nous parlons avec les bénéficiaires et avec dans les zones de couverture du projet, c'est de satisfaction parce que les résultats ont été le résultat escompté. Oui. L'intervention a été dans. Il y a eu différents quartiers, mais c'était surtout des quartiers dans la zone des Martissons. Il y a eu aussi. Comment c'était le nom? La zone proche de la Focale, hein, où il y a la Focale. Et surtout dans la zone des Martissons, c'était un des noyaux d'intervention du programme. Ouais. En termes de budget ? En termes de budget, le budget total du programme était 74 millions et demi d'euros, dont la contribution de l'Union européenne était 54 millions. Les autres 20 millions ont été apportés par l'État haïtien et par d'autres intervenants. L'idée aujourd'hui, c'était pour une terrasse, pour nous prendre tous les documents, rassembler dans 4 projets par là, pour nous bailler toutes les institutions partenaires qui étaient aidées nous, et SIA, TPTC, UCLBP, pour nous remettre, mettre chaque mon clé USB avec tout document et planification plan que tu fait dans 4 projets pour qu'on puisse utiliser dans le travail. L'idée que Mary a gagné, c'est que l'APC prend contrôle développement et urbanisation dans la commune. Donc on a fait un recensement de tous les projets, tous les documents existants dans le cadre de la commune pour nous essayer de commencer un plan d'ébauche, un plan de baptisme de planification pour le futur pour la commune. Donc donc, ça c'est Parac, c'est le 10e FED, nous avons 11e FED qui est financé par l'Union Européenne, que nous relais couramment Urbaïti et que la mairie est partie intégrante de Urbaïti. Urbaïti a une plus grande échelle et la reconstruction de la ville et de la commune de Port-au-Prince. Et Urbaïti est un projet excessivement complexe parce qu'il y a un paquet de partenaires qui est involucré dans Urbaïti. Et le rôle de la mairie, c'est autorité locale de la commune. Donc, nous sommes censés aider nos coordinations, à donner le ton, la direction de tous les autres partenaires. Donc, comme dit nous avons intention de travailler sous ça, nous relais, un plan d'embellissement et d'extension de la ville. C'est sous, à partir de plan ça que TPTC, par exemple, a basé pour qu'on a fait réalisation dans le cadre du projet Urbaïti. Nous commençons une mission qui a fait recensement tout projet, tout plan qui existait déjà. Et nous avons une deuxième phase qui a commencé en mars, qui pour nous et un plan communal pour nous côté pour nous qui boit dans la ville là qui besoin plus et reconstruction qui pour nous bien focus sur reconstruction etc. Merci beaucoup pour la question. Bon, vraiment lorsqu'on regarde, je commence avec le mandat est de 4 ans et oui c'est indéfinitif parce qu'on peut être réélu en comparativement avec
avec le président par exemple, mais c'est difficile. On a eu une très longue bataille, que jusqu'à présent, il n'y a pas un cartel qui n'a pas au moins une femme. Ça déjà, c'est à applaudir. Ce qui veut dire qu'on a près de 146 communes aujourd'hui, et vous avez 146 maires, et dans lesquelles il y a 12 d'entre elles qui sont des maires principales, mais des maires femmes. Et le reste, sont des maires adjoints de la ville. Mais avec le problème du genre que nous avons dans notre pays, encore c'est, comme elle a bien dit Adli, c'est des fois, ce sont les femmes deviennent un personnage juste pour être là, pour remplir cette place-là que la Constitution a dit qu'il faut avoir une femme, alors il y a une femme. Et point final, c'est, on a checké cette boîte-là, c'est fait, et puis bye-bye. Et on ne donne pas l'ouverture, on ne donne pas la possibilité à ces femmes-là de pouvoir vraiment s'exprimer et de montrer leur potentialité. C'est ça encore un problème majeur. Et nous connaissons déjà le problème du genre dans notre culture. C'est toujours ceux qui prennent la décision, c'est les hommes. Et très minime l'endroit où la femme peut vraiment prendre une décision. Mais moi-même, ce que j'aimerais vraiment vous donner comme exemple, c'est lorsqu'on parle d'une ville, alors je vais passer à une maison. Je pense que plusieurs d'entre nous là sont peut-être en vie en couple et se sont mis avec un homme ou une femme pour pouvoir vivre ensemble dans une maison. Mais avant ça, il y a ta maison ou ta chambre de fille, de jeune fille, et il y a la chambre aussi du jeune homme. Lorsque tu achètes la maison, qu'est-ce qui arrive? C'est la structure, et d'habitude encore, on sait qui a le travail, qui a les moyens pour acheter la maison, c'est l'homme. Parce que nous connaissons le pourcentage des femmes qui ont un travail. Maintenant, la femme qui vient dans cette maison-là, parfait, elle est la reine de la maison, ça c'est tout, et on dit ça, c'est le poteau mitant. Mais le poteau mitant n'a pas décidé quelle maison acheter. Mais le poteau mitant a une maison et elle doit se servir de ce qu'elle a pour pouvoir assurer que cette maison-là puisse être positive et puisse être tout ce qu'elle veut. Son rêve est spécialement pour les enfants et aussi pour qui d'autre? Beau-père, belle-mère, maman et papa qui, dans leur vieillesse, en culture, vont venir et habiter à la maison aussi. Alors, s'il faut écraser un mur, on écrase un mur. S'il faut changer quelque chose, il faut changer quelque chose. Mais c'est la femme qui le fait. Cette histoire-là, c'est la même chose pour la ville. Pourquoi attendre à construire quelque chose et ensuite faire des réparations? Pourquoi pas s'asseoir avec la femme et dire, écoutez, on veut construire une maison, comment qu'on va le faire? Que la chambre du bébé est trop loin de la chambre de maman et papa? Que la toilette est beaucoup trop petite parce que maintenant maman, grand-mère est peut-être paralysée et il faut rentrer avec une chaise roulante. Alors je pense que là vraiment c'est la beauté de ce débat là, de ce panel qu'on a là, c'est de réfléchir et de dire que les femmes sont déjà là, on fait ce qu'on doit faire, mais malheureusement on fait ça toujours après. Un peu sur le travail de Neges Mahon par rapport à tout ça, parce que Neges Mahon, qui est une organisation féministe revendicative, a mis sur pied un festival féministe qui, dans sa programmation, organise chaque année une marche artistique qui se tient sur un très long trajet dans la ville de Port-au-Prince. Et dans l'idée de faire ce festival, de faire cette marche artistique dans un contexte de festival féministe, c'était de permettre aux femmes de se réapproprier l'espace public. Parce que on a parlé de comment se décidait la ville, comment se décide la ville, comment se décident les espaces, mais il faut aller très loin pour comprendre pourquoi ça se décide comme ça. Et voir comment l'espace dans lequel on évolue se construit dans l'imaginaire en fait des sexes. Et il faut voir comment il y a un rapport différencié des sexes de l'espace public. Et comment l'imaginaire se construit pour une fille ou pour un garçon. Et je commence très tôt. Quand on élève la petite fille et quand on élève un petit garçon, on les élève avec un rapport totalement différencié par rapport à l'espace public. La fille est construite comme quelqu'un qui se méfie de l'espace public et qui ne s'approprie pas de l'espace public. Et quand je parle de l'espace public, je ne parle pas seulement de la rue ou bien des espaces comme nous l'avons dit. Je parle de l'espace public en général. Ce qui influe sur la prise de parole, ce qui influe sur être sur les tables de décision, d'être dans les espaces de décision et de pouvoir. Donc déjà dans l'imaginaire du construit social des espaces
des sexes en général, il y a un rapport différencié. Ce qui va obligatoirement influencer justement ce rapport que nous avons entre hommes et femmes par rapport à l'espace public. Donc, ça va très loin. C'est pas seulement au niveau des écoles, des universités ou bien des espaces professionnels de travail que va se construire justement ce rapport à l'espace public, ce rapport à la ville. Et comme la mairesse de Port-au-Prince est là, justement, on a parlé d'invisibiliser les femmes dans les prises de décision, mais il y a aussi invisibiliser les femmes à tous les niveaux aussi. Par exemple, je prends l'exemple qu'à un moment de la durée, on avait décidé dans les rues de Port-au-Prince de rebaptiser certaines rues avec les noms des femmes qui ont ont été des femmes qui se sont démarquées pendant la période de la guerre de l'indépendance ou bien des femmes sur toute la période de la construction de cette nation qui se sont démarquées. Mais finalement, c'est une décision qui a été bâclée ou bien pas du tout prise en compte. Alors que c'est extrêmement important quand tu rebaptises une ville avec les noms des femmes, parce que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau de la contribution, il y a toujours ce phénomène systémique d'invisibilisation des femmes. L'objectif de l'activité d'aujourd'hui, c'est vraiment pour les mairesses de pouvoir faire un bilan de ce qui a été fait dans le cadre des consultations de mi-mandat qu'elles ont menées au cours du mois dernier, au cours du mois d'octobre. Alors, toutes les mairesses ont mené des activités de consultation et d'engagement public pour faire un peu le point sur où est-ce qu'elles en sont. Il y a déjà 2 ans qu'elles ont été élues, voir un peu les défis auxquels elles ont fait face, les réalisations qu'elles ont faites, où elles en sont dans leur mandat, réévaluer les priorités de leur commettant, de leurs citoyens et ici arriver à des projets structurants qui vraiment devraient primer pour la deuxième partie du mandat qui leur reste en tant que mandat actuel. Alors l'objectif c'est de faire en sorte que cette foire-ci, donc c'est un peu une activité de networking si vous voulez, qui permet aux femmes mairesses de rencontrer des représentants de l'exécutif, du parlement, des partis politiques, la communauté internationale et vraiment de faire la promotion des projets structurants pour leur commune, pour leur 12 communes respectives. Alors, c'est un petit peu ça l'objectif de la rencontre aujourd'hui. Alors, ça se commence aujourd'hui et ça se termine demain. Et puis, donc, les 12 mairesses ont chacun un kiosque, ont été capables de mener des actions, comme je le disais, de prioriser et de faire des espèces de petites notes conceptuelles sur les projets qui leur tiennent à cœur et qu'elles aimeraient vraiment réaliser d'ici la fin de leur mandat. Série de activités que NDI a fait, bien entendu, c'est pas première journée. Hein. C'est 11 séances de travail qui commençaient depuis 2 jours et je dis à nous au 3e jour et qui, à vrai dire, il y a une autre étape qui a franchi la donne parce que de l'autre journée, c'est des journées de formation et que je dis avec demain, vraiment, c'est des journées de pratique côté que vraiment nous pourrons garder ouais, comment nous atteindre l'objectif nous pendant et alors, objectif qui te gagne est fixé pour ensemble d'activités. Et l'idée, c'est qui ça? C'est que nous-mêmes, comme 12 mairesses principales qui gagnent à travers le pays, qui gagnent un support technique que NDI était comme toujours. Et bien, nous, en termes de formation, depuis que nous sommes montés dans la tête et Catelio, et son façon peut être capable de nous renforcer la tête, nous, et techniquement, dans le travail que nous gagnons pour nous faire dans la commune. Mais Kounia là, c'est vraiment une autre phase de support que NDI et comme toujours bah nous c'est que yo te proposé tête pour yo t'es capable aider nous non seulement et continuer aider nous techniquement mais tout aider nous joindre canal et de nous joindre support pour capable mettre nous en contact avec bailleurs de fonds côté que nous connaît nous mêmes comme magistrats. C'est vrai que nous besoin en pile formation pour capable remplir fonction mais tout nous gagne tout pour gagner des réalisations dans commune yo. Et ces deux bagages qui marchent ensemble, il faut qu'on prenne formation, il faut qu'on tout cherche à répondre à besoin de la population qui a voté pour comme ça, gagner ensemble de projets qui définissent dans la commune pour nous dire que ça, il faut que nous dégagions, nous pour être capables de réaliser. Et nous
nous-mêmes comme mairesse qui là yo, nous avons des projets prioritaires que nous prêtons pour nous capables présenter et soutenir devant à bailleur de fonds yo. Mais c'est des projets que c'est pas nous-mêmes comme magistrats qui choisit projet nous, c'est des projets qui fait qui choisit ensemble avec population la caille nous, société civile, l'autre élu local yo et tout secteur, tout acteur concerné dans la vie politique et civile dans la commune, nous te chita ensemble comme autorité pour nous capables de choisir ensemble projet priorité à ça. C'est des projets de développement et des projets qui ont gagné et impact sur éducation, infrastructure et santé. Et comme nous connaissons le pays, nous connaissons un pile besoin que le grand pays, comme si tout grand pays a gagné besoin et particulièrement les communes, les sections communales. Ça fait route, ça fait santé, ça fait éducation, ça fait de l'eau potable, tout bagaille qui, comme nous-mêmes, comme magistrats, nous gagnons pour nous capables de faire dans la commune. Nous. Ça qui a privé que bon maire ce qu'il a, c'est les cap choisir un projet qui a un rapport avec l'éducation. Il y a un autre tout par rapport à la priorité qui gagne, les capables de choisir, les capables de venir tout avec un projet qui a un rapport avec la santé, etc. Donc, nous, là, je dis, c'est l'idée pour nous travailler en tant que 12 femmes mairesses qui sont chefs de cartel. Donc, je dis à nous là pour nous présenter le projet. Nous. Parce que nous sommes avec la population qui a voté nous hein, depuis plus de deux ans que nous élus pour qu'on ait rien vraiment que nous remettre dans la communauté. Hein. L'État central, l'argent qui doit décaisser pour la collectivité, l'argent qui doit adjoindre la collectivité, beaucoup j'aime vraiment atterrir une collectivité. Donc nous gagnons avec support indien, je dis nous là, côté que après que nous t'échitons avec la population, nous t'es sélectionné avec le plan communal que nous gagnons sur la commune, nous t'es priorisé trois projets dans toute liste de projets que nous gagnons dans le plan communal. Là, nous gagnons trois projets qui vraiment sont des projets très, 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 très prioritaires. Nous voulons parler de finalisation route la vallée de Jacmel là, qui a commencé déjà sous gouvernement Matélien et jusqu'à présent il n'y a pas fini. Donc c'est un projet très très prioritaire que lié pour nous même la vallée. Nous avons électrification commune la vallée dans le moment que nous avons parlé là, dans le 21e siècle que nous sommes là, commune la vallée n'est pas électrifiée. Le centre-ville, les centres de section communale n'est pas électrifié. Côté qui a de grandes agglomérations n'est pas électrifié, nous avons plutôt utilisé de groupes électrogènes, utiliser panneaux solaires pour gagner courant à la caillou. Et puis nous avons l'autre projet qui est en priorité pour nous, qui est en priorité pour tout le monde dans la vallée, c'est le système d'adduction d'eau potable nous sous commune à partir de la source Boursico. Mon avalé dans le moment que nous avons parlé là, il n'y a pas de l'eau qui a coulé dans le robinet, la caillou. Il y a plutôt depuis artésien, il y a deux mondes c'est dans le sous-sol à prendre de l'eau, il y a deux mondes c'est de l'eau que nous collectons, l'eau depuis que nous collectons à travers des systèmes, des bassins que nous faisons. Donc, avec situation ça, en tant que maman que nous sommes, maman commune, maman population, donc nous. Chita avec population qui pour permettre que nous en liste de projets, nous avons trois projets et projets ça nous venons remettre à l'État central. Je dis nous supposons rencontrer avec l'État central pour nous remettre ministre planification, ministre intérieur et gouvernement et président pour nous remettre projets ça pour dire qui ça pour faire pour nous et il doit faire un bagage pour nous. Nous c'est environ 12 mairies principales, c'est vrai qu'il y a 140 communes mais dans 12 mairies principales et si nous voulons que y ait plus de femmes vraies qui allent dans la politique, permettre que plus de femmes rentrent dans toute activité qu'a faite dans le pays d'Haïti, au moins fait grand bagage qui fait avec nous-mêmes, qui ces femmes qui cap diriger commune. Nous. Donc c'est dans ce sens là que nous là avec toutes mes ressources là. Donc chaque mes ressources gagne de projets par rapport avec zone yo, gagne de projets qui priorisés pour yo et yo chez nous chaque nous gagne trois projets par rapport à la liste de projets que nous gagne. Donc, il y a deux procédures qui permettent de faire un projet, il y a un appel d'offres qui pour lancer, il y a deux temps qui mettent sous ça, nous pensons que c'est un appel d'offres, il y a deux temps qui mettent, donc il y a un temps qui chronométrer pour ça, donc normes mieux de respecter, mais l'important c'est pour répondre non, parce que comme il y a là,
Ou imaginons, nous avons des fonds communaux 2016-2017 que nous pouvons rejoindre. Fonds communaux, c'est un fonds communaux qui était 10 millions de gouttes selon les normes. Mais pour 2016-2017, il était réduit à 2,7 millions de gouttes. Dans le moment que je parle, là, beaucoup de gens qui rejoignent fonds communaux. Ça. Fonds communaux 2017-2018, il était 10 millions, il est réduit à 7 millions. Et semaine ça, là, c'est de 5 millions que y a parlé. Nous. Jusqu'à présent, nous pouvons rejoindre. Ce n'est pas projet que nous allons déposer. Non. Nous déposons projet pour nous. Nous déposons projet 2016-2017 pour 2,7 millions de gouttes. Nous déposons projet 2017-2018. Et qui pisait, chaque fois que le gouvernement est tombé, un nouveau ministre, il y a demandé une fois nous réécrit nouveau ministre. Ce que nous faisons un gouvernement qui monte là, nous réécrit tout le monde que nous faisons dans la planification. Dans l'intérieur, nous obligés de réécrire l'actuel ministre pour permettre que nous suivi dans le dossier. D'accord. Donc c'est un plaisir. Et mairie Parcaillère, qui s'est constitué? Bon, cahier de charge mairie Parcaillère, c'est déblocage pour fonds communaux. Et il faut que débloquer fonds communaux pour nous, pour que nous soyons capables de répondre avec besoin de la population. Même là, nous ne connaissons pas faire tout le bagage, mais au moins un fonds minimum. Jean, toutes mes ressources ont expliqué nous, dans le mois d'octobre, nous, même 12 mairies principales, nous avons organisé des journées de consultation avec les citoyens là, nous, mandat nous, pour nous présenter au bilan mi-mandat nous, et présenter aux quantités de projets nous étaient que nous avons supposé faire, pour nous choisir ce qui est priorité pour nous. Et dans rencontre ça, nous avons fini par sortir avec trois projets. Pour Akaye, nous avons un yoga routier que nous commençons qui doit finir. Et nous avons un centre culturel et de lecture pour les jeunes, pour la population en général, mais pour les jeunes en particulier. Et nous avons deux trois communales qui nous ont dans le marché pour les marchands. Pour les routiers, nous avons oublié pendant notre dernière année, la station Akaye, c'est dans la rue Akaye. Ça cause un pile accident parce que c'est un point d'entrée pour quatre départements. Les gens qui ont fait sur route l'obtenir une machine, ça arrive que machine en pile accident fait souvent sur route. Et voler qu'on arrive prendre l'argent sur mon sao parce que pas de stabilité vraiment. Et yoga routier a permis que vraiment une population voyage plus bien. Et nous avons contrôlé la machine qui a fait zone, non? Diminuer le taux de violence, non? Et le taux d'accident en machine, non? Et ensuite en voler pour pouvoir pour une parce qu'on a outil à son côté qui a sécurisé. Et c'est une formation que Baoua dans quatre partenariats que le gain avec Avocats sans frontières Canada. Déjà depuis environ 4 ans, Baoua de Port-au-Prince te prend une résolution qui rend obligatoire formation continue pour tous les avocats dans la mesure où avocat pour gain 20 ans d'expérience professionnelle est obligé chaque année prend une 20 heures de formation. Maintenant, dans le cadre de formation et partenariat que nous avons avec Avocats sans frontières Canada, nous avons gagné une thématique corruption qui vient censée tomber dans le moment, côté que tout le monde a parlé de corruption et que effectivement nous avons entendu pour que la formation conjointe ça a été faite entre le barreau de Port-au-Prince et Avocats sans frontières Canada, côté que nous avons une quarantaine de participants qui ont suivi la formation. Parmi eux, gagné une vingtaine d'avocats du barreau de Port-au-Prince et gagné l'autre 20 participants, c'est ou bien des magistrats, ou bien des avocats, ou bien bâtonniers qui viennent d'autres juridictions qui viennent participer dans la formation. Alors la formation, c'est sur la lutte contre la corruption et la poursuite des crimes financiers. Donc c'est une thématique qui est vraiment importante dans la mesure où il est important que face à genre d'infraction complexe, que avocats et que les acteurs du système judiciaire soient bien outillés, bien formés, de telle sorte que pour que chaque activité par yo, avocat qui gagne pour défendre des clients et juge qui gagne pour juger dans le cas d'infraction, que yo capable de prendre de bonnes décisions, que avocat capable de bien défendre les clients pour que il ait exigé que les clients bénéficient d'un procès équitable, en même temps tout, avocat juge, il y a connaît que qui précaution pour prendre.
comment qui gens pour que puis apprécier ces gens en infraction si jamais il t'a gagné puis juger le cas comme ça soit sur la corruption ou bien crime financier. Formation l'a duré 3 jours. L'a commencé jeudi, l'a fini vendredi. Non, c'est ensemble, c'est avocat avec juge, parce que ce sont 40 de participants. Là-dedans, nous avons 20 avocats qui sont membres barreaux de Port-au-Prince. Il y a d'autres avocats qui viennent de la province. Par exemple, il y a des avocats, le bâtonnier de Petit Guavella, le bâtonnier des Gonaïves là, et d'autres avocats qui viennent de barreaux des Gonaïves et d'autres barreaux qui viennent participer. Mais la formation est conjointe pour des magistrats et des avocats. Et moi, pas fait une statistique pour me dire exactement mais qui pourcentage fixe là-dedans, mais comme on est dans la salle là, gagner plusieurs et avocates et en même temps des magistrates qui sont dans la salle là, tout qui a pas formation. Ça nous souhaite, c'est dans le cadre de formation continue qui est obligatoire pour avocats. C'est que nous mettons sur le marché des avocats qui sont plus performants, qui sont mieux outillés, qui sont capables d'aborder des thématiques ça au mieux lorsque, par exemple, tu as gagné pour traiter des cas sur la corruption. ALVAC, Alternative Valéenne pour le Changement. Annoncé, communauté La Valéa qui en dedans. Coup d'ailleurs, activité nous prévoit organiser avec autorité pour partager information avec la population sous raison qui la cause. Route la pas fini et puis sous avancement projet électrification. Nous-mêmes, différentes organisations, tant que ALVAC, OJPROD, Vision Sud-Est, Mojaec, pour ne citer ça seulement, avec citoyens engagés dans la commune, mettez tête nous ensemble pour nous brasser l'idée sur une série de problèmes que la commune a fait face. Dans ça, dialogue, c'est moyen qui est plus important. Nous juger qui permettent nous joindre bon gens éclaircissement sur raison qui empêchait ou de la pas continuer et qu'on est dans quel niveau projet électrification avancé. C'est ça qui fait nous en tant que démocrates profiter de droit constitution en bas nous comme mandant pour questionner Elio sous travail yo avec politique orientation yo. Nous profiter saisir occasion ça pour nous dénoncer un secteur dans la classe politique là qui toujours voulait détruire la communauté dans une série d'actes malhonnêtes, dans la crase et brisé, ou bien faire une série de faux déclarations qui ne paguent rien pour eux avec certains citoyens paisibles moralement. C'est ça que fait nous prendre position à clé pour nous décliner toute responsabilité à toute vieille acte. Groupe ZFIS là, vie Zangui a planifié pour Banouchaï poté. Dans le cas de ça, nous avons annoncé l'opinion publique là. Nous prenons distance nous à tout mouvement vagabondage qui a fait et qui prévoit fait dans la vallée. Par conséquent, en tant que citoyen, nous avons toujours appuyé tout mouvement pacifique qui a demandé compte. Sous l'agent Petro-Caribéa qui s'est affaire nous toutes. N'a fini pour nous rappeler tout le monde que Chimé Dialogue, c'est le plus gros moyen pour être capable d'héritier des ancêtres nous pour nous arriver à résoudre un problème, couper fâché avec un système, ou soit joindre une information importante sur un dossier ou bien un projet. Vive yon lot la vallée, vive yon lot Haïti. Merci. Ce dossier Petro-Caribéa, c'est un dossier national et même international. Donc, position nous-mêmes avec tout le groupe social dans le pays, eh bien, c'est la même question que nous avons demandé côté Petro-Caribéa passé. Donc, nous allons nous-mêmes dans ce sens-là pour nous dire côté reste route la vallée, parce que puisque nous-mêmes dans la vallée, nous payons taxes. Et c'est ça qui fait tout, nous avons le droit que pour des investissements qui sont faits, en tant que par exemple dans la route, la vallée, que nous avons des fonds qui étaient débloqués pour les. Mais la route, ça, malgré que la route a commencé, elle n'a pas même fini, et bien la route a commencé à écraser. Donc, question ça aujourd'hui, nous avons posé le 17 octobre. Donc, nous avons continué à demander aux autorités côté Rescope Route La Vallée. Donc, nous sommes clairs que nous m'accordons avec tout ça, avec tout groupe qui voulait demander côté Petro-Caribéa, mais sans désordre.
nous croyons dans Chita Palais et on va regarder tout, c'est ça qui fait que nous-mêmes nous parlons Chita Palais et samedi 17 novembre, un mois après, pour nous demander élu nous yo, eh bien dans qui stade yo et qui ça bloqué route là. Programme intégré de renforcement de la démocratie en Haïti. Gen pour nous jouer les pirèdes, c'est une organisation sociale qui a goumen pour démocratie vin pidjam et puis qui est net allé dans le pays d'Haïti. Non. Dans faire programme éducation civique pour te la vie meilleure bay maliré ak malirez, encourager femmes mettez main dans ça fait pays a et puis pour te coller à quelques institutions pour yo ka bien trip ka bien marcher dans mitan l'autre activité développement. Li pas difficile pour nous comprendre comment droit longue si payé dans l'argent qui là pour faire toute qualité développement dans pays a dépamment à parole pirède vle jouer dans communauté a ni nous pas saisir ouais comment pirède estomaqué les autobloqués qui là pour faire pays à marcher faire route cochi avec l'argent qui pour faire pays avancer dans ça fait Petro-Caribe ça les nouvelles la caille voisin à la caille l'autre tokay nou yo dans Caraïbe là qui qualité résultat l'agent Petro-Caribe ça baille en face mal cité qui vient pirède pas bon la caille pirède veut demander arranger pour le crier tout le monde conséquent côté comme Petro-Caribe a fait. Plateforme politique refond pour la défense des intérêts de la nation haïtienne, GFD, qui gagne là-dedans plusieurs organisations et partis politiques, tels que les partis socialistes haïtiens PSH, l'Union des jeunes du Bel Air, l'Union des jeunes de Matissan, et l'Union des jeunes des paysans de Manuche, a condamné à toute force nous. Démagogie et vagabondage que soi-disant secteur démocratique et populaire a fait en deux pays, tel que brûler tracteur qui a fait route en deux pays, bouler bis dignité que le président Matéli te mette gratis pour tout le monde à l'école et que le président Jovenel Moïse avec le gouvernement continue avec le programme ça. Côté que nous avons dit que tout le monde n'a pas de problème à l'école pour monter en dignité. Côté que nous pas besoin de faire un goût national. Et nous avons condamné encore vagabondage. Côté qu'il y a brûlé, il y a mis du feu dans toute route asphalte nous en deux pays. Et que nous avons dit que gouvernement, que président Jovenel Moïse a dirigé, mettez une bonne usine asphalte à travers le pays pour nous capables de faire route. Et nous avons gardé encore. Qui tribulation peuple palestinien a vivre puis au goumé pour un petit bout de terre que yo gagne la main aujourd'hui dia et pour nous nous-mêmes que les ancêtres nous qui t'ai mené bataille 18 novembre 1803 pour nous te capable un bout de terre ça aujourd'hui dia pour nous c'est vagabondage ça que soi-disant opposition dit démocratique accès à populaire a fait pour mener nous côté pour faire une perte du pays ça. Nous disons que ça, c'est une méchanceté que nous ne sommes pas capables de continuer à rentrer dans la logique. Ça.